Bonne année. Je tiens, à préciser que je ne traduirai pas tout le sketch d'Alex. Bon, je traduirai que les bonnes parties. Alors, ça ne va pas vous prendre trop de temps. Bonne année à tous. Bonne année, Elisabeth. Bonne année. Tout le meilleur. Bonne année à Miss France. Ben, j'espère que c'est la plus belle année de votre vie qui vous attend. Oh, il y en aura d'autres, j'espère. J'espère aussi quand même. Mais déjà, elle a bien commencé par vous n'avez pas croisé Florian Philippot dans cette émission. Et c'est chouette. Je vais être honnête avec vous. Florian n'avait pas voté pour vous à l'élection. Il avait voté Miss Bavière. Elle était très déçue parce qu'elle ne l'a pas eue. D'ailleurs, évidemment, il est peut-être très connecté avec Paris Match puisqu'on en a parlé. Le magazine a été soupçonné de vous avoir blanchi sur une des photos. Mais c'est une habitude qu'ils ont. J'ai retrouvé une autre photo de Paris Match de quelqu'un qu'ils ont blanchi. Voilà, Christine Lagarde aussi a été blanchie. Après, les Balkany essayent d'avoir Paris Match en ligne pour faire la couve. Ah, bah oui. Si elle vient d'être blanchie, ça les arrange. Bonne année, évidemment, à Robert qui est... C'est mon idole, Robert. Je ne vous traduisais pas, mais c'est mon idole quand même. 105 ans et vous continuez. Jean-Pierre Elkabbach aimerait tellement être vous. 105 ans et vous foncez. Je vais vous dire, le prochain retraité qui au supermarché met des plombes à mettre ses trucs sur le tapis, je dis, moi je connais Robert, ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, j'aimerais bien lui présenter ma grand-mère. Ah. Elle a 85 ans. Alors peut-être pour Robert, c'est de la pédophilie, mais enfin, ben oui, mais je l'ai vu. Bon, vous traduisez ce que vous voulez. Ça, non. Bon, quand j'ai vu Robert sur le vélo, je me suis dit, sur ma grand-mère, il peut peut-être battre un record aussi, mais voilà. On verra bien. Miss France est choquée. Miss France, tout va bien. Bon, c'est pas tout ça. 2017, moi aussi, je dois m'adapter. Je dois parler présidentiel, évidemment. Ma chronique a changé de nom, donc vive le roi, puisque chez nous, en Belgique, nous avons un roi. Tout le monde ne peut pas se présenter comme ça pour être roi. Il n'y a pas de François de Rugy, il n'y a pas de Jacques Cheminade qui se lance. Hein, chez nous, il n'y a que en ayant la fève dans la galette qui pourrait devenir roi. Mais sinon, c'est foutu. Et chez vous, c'est comme aux États-Unis. Ah bah oui, tout le monde peut devenir roi. Et résultat, aux États-Unis, ils ont eu Trump. C'est quand même quelqu'un qui était surtout connu pour être le méchant dans un jeu télé. Donc vous n'êtes pas à l'abri d'élire un jour Laurence Boccolini à la tête de la France. C'est possible, c'est possible. Et donc à partir de cette semaine, moi je. N'importe quoi. Je suis payé pour ça, Michel. Oui, bien. Évidemment. Parce que Laurence quand même. Ben, on pourrait l'élire président, super pourquoi nana, pas. Ben, je n'ai pas dit ça. Ah oui, bah, elle est méchante dans un jeu. Non, je me prends, pardon. Bah, et si vous n'êtes pas content, vous gueulez. Hein. Non, je m'en fous, je traduis ce que je veux après. Elle est pire que son père, la mère Bernier. Allez, donc campagne électorale, oui, on attaque on Jean-Christophe Cambadélis, on attaque Allez. Fort, on attaque par la gauche. Il a déclaré, le PS peut perdre la présidentielle et essuyer un revers aux législatives, mais il peut tout autant la gagner. Oula. Et là, j'ai envie de te dire, il n'est pas là par hasard, Cambadélis, et c'est sans doute lui qui coach Manuel Valls pour les éléments de langage, puisqu'il a déclaré à l'émission politique... On m'a imposé le 49-3, oui, oui. C'était drôle. Quand même très marrant, évidemment, mais la grande question que je me pose, c'est pourquoi il a été dire qu'il voulait le supprimer, ce 49-3 ? Personne ne lui a rien demandé. Je veux dire, si en 2022, Strauss-Kahn se présente, il ne va pas proposer la castration chimique rétroactive pour les agressions sexuelles. Ça serait complètement con. Alors, on reste à gauche. Je ne traduisais pas tout, hein, Michel. Non, mais... On reste à gauche parce qu'il y a un truc qui pourrait changer la donne. On n'en a pas parlé, Jean-Michel, je suis un peu déçu. Je suis désolé. C'est que le chanteur Sanseverino est président du comité de soutien de Jean-Luc Benamias. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est un coup de Guy Bedos pour faire diversion. Guy Bedos qui nous a prouvé qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est quand tu te souviens plus que tu soutiens Arnaud Montebourg. C'est très très rare. Hein, ça, Alzheimer. C'est-à-dire que si tous les fans de Sanseverino se mettent à voter pour Jean-Luc Benamias, ça peut évidemment changer la date. Ah bah oui. Il n'y a que si Jackie Quartz devient président du comité de soutien de Sylvia Pinel que c'est à ce moment-là remarqué dans l'autre Jackie sens. Quartz. Vous êtes la dernière. Ah oui, on est deux. Passons à droite. À droite, à Saint-Tropez, où la catastrophe est arrivée, Nicolas Sarkozy a été arrêté par un policier car il a pris un sens interdit à vélo. Alors, avec toutes les affaires qu'il a au cul, Sarkozy, ce serait quand même incroyable qu'il se passe attraper pour une infraction à bicyclette. Alors qu'on teste Robert pour le dopage. Il roule dans le bon sens, au moins. Cela dit, Al Capone était tombé à l'époque pour un petit contrôle fiscal, donc tout est possible. Et justement, républicain toujours sur LCI, Henri Guénot a déclaré, avec mon salaire de député, 5 100 € par mois, je ne peux rien mettre de côté. Lui aussi, son ennemi, c'est la finance. Henri Guénot, c'est l'homme qui avait écrit « L'homme africain n'est pas encore rentré dans l'histoire. Eh bien, l'homme blanc n'est pas encore rentré chez cet LM, mais ça ne va pas tarder, à mon avis. » Et ce sera Henri Guénot. Sans transition, Ramayad, elle a déclaré que pour elle, François Bayrou ne servait à rien. Et ça, c'est une belle forme d'hommage venant d'une référence en la matière.
Et je termine par François Fillon. François Fillon, qui pour son premier déplacement en 2017 s'est rendu chez Emmaüs. Frédéric Lopez a porté plainte pour plagiat, arguant que l'idée de rendez-vous en terre inconnue, elle était de lui. Voilà, en tout cas, tout ça me fait dire que vive le roi, surtout. Oui, et vive vous. Oh, bravo, Alex. Vive Alex. Bravo, Alex. Merci. Bravo.